Fukama walomba wasila kimino. Lingayanzambi, lingayanzambi. Fukama walomba wasila kimino. Lingayanzambi, lingayanzambi. Fukama walomba wasila kimino. Lingayanzambi, lingayanzambi. Fukama walomba wasila kimino. Lingayanzambi. Ngayanzambi. Fukama walomba wasila kimino. Ningayanzambi. Ngayanzambi. Fukama walomba wasila kimino. Ngayanzambi. Ngayanzambi. Tata Nzambi ya muobuti. Amo watu malongo. Maloma nyendi. Tata Nzambi. Kembo kwa monywe. Kembo kwa Nzambi, kembo kwa Nzambi. Fukama walomba wasila kimino. Ningaya Nzambi, ngaya Nzambi. Fukama walomba wasila kimino. Ningaya Nzambi, ngaya Nzambi. Fukama walomba wasila kimino. Ningaya Nzambi, ngaya Nzambi. Tata Nzambi ye muobuti. Amo watu malongo maloma nyambi. Tata Nzambi, kembo kwa monywe. Kembo kwa Nzambi, kembo kwa Nzambi. Lel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 e. Kembo kembo kwa Nzambi, kembo kwa Nzambi. Lel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 
Kama alite pani wa kamilimbi. La 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 la. Kama alite wa kamilimbi. Kama alite pani wa kamilimbi. Kama alite pani wa kamilimbi. Para banza bi, ana banza bi. La 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 la. Kamal tema, akamile. Ya Yesu mwana nzambe. Ya Yesu mwana nzambe. Ya Yesu mwana nzambe. Ya Yesu mwana nzambe. Ukama walinda kokoro mulina dinzambe. Fukame walinda kokoro mulina dinzambe. Fukama walinda kokoro mulina dinzambe. Mana manambi, mana banzambi, amonye. O mana banzambi, mana banzambi, amonye. O tu sambilano, sambilano tu kamona zambi. Tu sambilano, tu sambilano tu kamona zambi. Pemba midi mwana nzambe. Pemba midi mwana nzambe. Usambila wami, sambila wami wo mwana nzambe. Usambila wami, sambila wami wo mwana nzambe. Lel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 e. Kembo kembo kwanza biko kutata nzambi. Lel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 
Yela nyami, yela diami, pione. Oh, yela diami, yela diami, di monanza be. Yela diami, yela diami, di wulumanza be. Tu samile, nu tu samile, tu ka wulumanza be. Kembo kembo kwa zambi koko tata zambi. Kembo kembo kwa zambi koko tata zambi. Tata zambi ye ibune. O tata zambi. Tata zambi ye ibune. Shalom peuple de Dieu, shalom amis de LXCMTG.com. Vous avez cet appel de vos camps de serviteurs et guidés par Mayenne. Bien-aimés, nous avons un message compromis. Et ce message se trouve dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 18. Donc, nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Et après, certainement que nous aurons regardé, selon l'histoire de notre thème, ce qui a été certainement. Voilà pourquoi je demande d'être très attentif à écouter le Dieu de la manière dont l'esprit que vous avez vous permet d'écouter cela. Sans plus tarder, je vais lire. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul, en chantant et en dansant, au son de la tombe, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les enfants qui chantaient, ou les femmes qui chantaient, veux dire, se répondaient les unes aux autres et disaient: Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque que, ou il ne manque plus que, la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons de te rendre grâce et nous te remercions pour ce moment, pour avoir permis que nous venons nous mettre au pas de toi pour recevoir de toi. Je bénis ce moment parce que tu as pu mettre dans le cœur de chacun un pareil absolu d'écouter de toi et de pratiquer ta parole. Laisse que ce que nous allons entendre cet après-midi vienne de toi et que ce que tu as réservé puisse produire ce qui est juste nous concernant. Quel que soit ce qui nous tourmentait, nous avons la ferme assurance, Dieu, tu es Dieu, et qu'avec toi nous avons tout. Et avec toi nous pouvons tout. Au nom de Saint-Jésus-Christ, amen. Bien-aimés, le message que nous avons cet après-midi, je l'avais annoncé, parler du combat rude de David et Goliath. Et le pourquoi de ce combat entre David et Goliath. Je dois déjà vous dire que tout ce que nous lisons, c'est dans la Bible. Nous lisons la Bible, nous ne lisons pas quelqu'un qui existe maintenant, qui vit.
maintenant là, pour qu'on puisse dire que c'est de lui dont on parle. Le roi David n'est plus. Goliath non plus n'est plus. Donc, il n'y a pas un Goliath dont la Bible fait mention qui puisse vivre encore de notre temps, où il n'y a pas un David dont la Bible fait mention qui puisse y vivre encore et tel que nous le vivons aujourd'hui. Il ne faut pas confondre. Même si le nom peut être celui de Matthieu, Marc, ceux-là d'aujourd'hui, ceux-là ont copié cela dans la Bible. Mais ce n'est pas toi. Et c'est ce que je voulais d'abord relever. Et que ça ne perturbe le comportement de personne. Mais toutefois, puisque on a des David aujourd'hui, et il y en a qui ne sont, qu'on n'appelle pas des David, mais qui ont l'esprit ou encore le même comportement que ce David-là avait, du roi, il y en a qui ont ce comportement aujourd'hui. Et il y en a certainement parmi nous, ceux qui sont arrivés à subir ces étapes-là d'évolution, ou soit dans la maison, pour certains bien sûr, pas moi, qui ont été rejetés, peut-être par rejeter, c'est trop dit, par leurs parents, c'est-à-dire que les parents avaient des choix, ou ont des choix sur certains enfants, et ne pas considérer les autres. Quelqu'un qui a eu des enfants, un père, une mère, est censé les chérir, les aimer tous. C'est vrai que tu diras que la manière dont cet enfant-là se comporte, elle est différente de celui de cet enfant, de l'autre enfant. Et que c'est pas facile de les aborder de la même manière. Celui qui est plus doux, tu vas l'aborder avec un peu plus de douceur. Et celui qui est un peu debout, tu iras avec lui aussi un peu autrement. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de les ramener tous au même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'ils parlent de la même façon. Tel qu'ils te comprennent, toi, le père, et tel qu'ils comprennent ou te comprennent, toi, la mère. Et il y a aussi certainement des Goliaths dans nos familles. Les Goliaths, c'est ceux qui, je dirais déjà, qui sont orgueilleux et qui ont l'amour de l'argent et qui ont quoi? Qui sont jaloux et qui aiment s'aimer pour créer des divisions entre les familles et qui aiment en quelque sorte le pouvoir. Et nous allons comprendre que réellement Goliath était peut-être amoindri aussitôt pour avoir perdu le combat, mais il y a eu d'autres Goliaths. Et le Goliath peut être ton propre frère avec qui vous entendez au départ. Évidemment, tu le vois se retourner contre toi. Ta sœur avec qui vous entendez au départ et qui se retourne contre toi. Ta mère avec qui vous entendez au départ et qui se retourne contre toi. Ton père avec qui vous entendez au départ, et qui se retourne contre toi. Ton cousin, ta tante, ta nièce, ta fille, ton fils, n'importe qui peut aujourd'hui prendre l'identité de Goliath lorsque ton raisonnement ou encore la manière de faire les choses déplaît. Et c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Celui qui aime Dieu sait que Dieu lui a dit de faire quelque chose de la manière dont il pense. Il a à se comporter tel que Dieu le veut.
Et certains sont arrivés à prêcher en disant que il faut que tu commences d'abord par éduquer les moutons et les bœufs pour que tu saches enfin éduquer les hommes, c'est-à-dire l'homme, ton semblable. Je trouve qu'il est plus difficile en tant qu'humain d'éduquer les animaux. Et ce qui serait plus facile, c'est d'éduquer un homme. Or, lorsque tu éduques un homme, si le langage que tu parles, celui que l'homme aussi parle, vous allez mieux vous comprendre. Par contre, un animal, il faut que tu aies avec des signes et parfois même avec la chicotte. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir que deux frères dans un même camp militaire vont s'opposer. Vont s'opposer et jusqu'à chercher à faire mourir l'un ou l'autre. Je ne vois pas que la mort dont on pouvait parler de l'un ou l'autre, c'est-à-dire des frères, je ne parle pas de Goliath, avait un trait avec quelque chose d'autre. Et la vraie raison de s'ériger entre frères, c'était à cause du pouvoir. Donc le pouvoir est venu te mettre à terre. Très mauvais. Très, très mauvais. Nous avons lu tout à l'heure que le roi David, il n'était pas, c'est vrai qu'il a été oué pour être roi d'Israël, et comme dans un pays, il ne peut pas avoir deux rois. Il fallait que celui-là, c'est-à-dire le roi David, David, de ce temps-là, puisse attendre que le premier roi soit dému, ou démis, si vous voulez bien, de ses fonctions. En émoquant la lèvre. Mais pour arriver là, ce n'est pas comme on pouvait le vivre aujourd'hui. Car celui qui a l'Esprit de Dieu, il connaît Dieu. Et David, dont nous parle la Bible, connaissait Dieu. Et il savait que tuer quelqu'un, ce n'est pas bon. Il savait que tuer un oint de l'Éternel, c'était mauvais. Non seulement un oint de l'Éternel, même quelqu'un, n'importe qui, c'était mauvais. Il n'était même pas dans l'armée avant que Goliath ne tombe. Lui, il est resté au village, à la ferme, en train de paître le troupeau. Et je peux aujourd'hui me dire que ceux qui ont appris à paître le troupeau n'ont jamais échoué dans leur façon de faire. Parce que paître le troupeau aussi, ce n'est pas facile. Les chaussures qu'un sapeur doit porter, les shorts, les mocassins, tu ne peux pas les porter dans la ferme, dans une ferme. C'est-à-dire, il y a la boue, il y a des dépôts des animaux, et tu as le courage d'aller prendre de l'herbe et puis leur donner leur nourriture. Il y a ces odeurs.
Il faut d'abord aimer cela. Et une fois que tu as aimé, tu peux prétendre être, en tout cas, même sans que quelqu'un ne dise quoi que ce soit, les gens vont se lever, ils vont t'aimer. Il y a des choses pour lesquelles on ne force pas. Ceux qui forcent, c'est des brigands. C'est des jaloux. C'est des mauvais. C'est des irréligieux. C'est des voleurs. Et encore d'autres mots, c'est des malfaiteurs. C'est des diviseurs. Ils n'ont que l'amour de l'argent. Quand on parle de l'argent, ils sont là. Ils font des calculs sur l'argent. Ils n'aiment pas voir les autres être bénis. Ils n'aiment pas voir les autres être aimés. Ils manifestent un esprit de mépris, de rejet. Parce qu'ils veulent qu'on les voie seulement. Et c'est des tribalistes. Ils aiment travailler en tribu. Et c'est très mauvais. Deux frères qui sont maintenant des ennemis, deviennent des ennemis à cause de quoi? Du pouvoir. Donc le pouvoir crée la haine. Le pouvoir provoque la jalousie. Le pouvoir tue. Qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce que le pouvoir? Personne ne peut donner cette définition. La vraie définition du pouvoir, elle n'existe pas. Quelqu'un dira c'est l'autorité de Dieu. Oui, l'autorité de Dieu pour telle ou telle chose. Oui, c'est bien moi. Le premier pouvoir, c'est ce que tu es toi-même. C'est ce que tu as appris auprès de tes parents, ce que tu es allé performer en allant à l'école, ce que tu as gagné et ce que tu es aujourd'hui, ce que tu vaux dans la vie. Et lorsqu'il y a quelque chose de créé, une responsabilité quelque part, on peut te prendre et on te place. Mais ce n'est pas parce que tu auras regardé quelqu'un comment est-ce qu'il tue, et que tu vas te lever, tu dis moi aussi je vais aller la tuer. Ça, ce n'est pas le pouvoir. Ça, c'est... Tu deviens un assassin. Un assassin n'a pas de pouvoir. Un assassin est déplumé. Il n'a pas de plume. Il ne peut pas voler. C'est-à-dire aller comme ça. Tout ce qu'il fait, c'est dans le vol. Il n'est pas honnête. Et quand il n'est pas honnête, mais il prétend dire qu'il est au pouvoir. Mais il n'est pas au pouvoir. Vous allez me dire, oui, c'est lui, ou c'est elle, ou c'est lui qui signe, qui fait tout, c'est ainsi de suite, qui donne, qui distribue. Oui, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Goliath ne savait pas que le jour que ces choses-là devraient arriver, même un plus petit pouvait le détourner. Et il a quitté là où il était. Qu'est-ce qui crée tout cela? C'est-à-dire le mal
dans l'homme contre un autre homme. C'est le manque de respect. Lorsque tu ne respectes pas l'autre, on dira que tu es mauvais. Tu insultes ton frère. Tu insultes ta soeur. Tu insultes ton neveu. Tu insultes ta cousine. Tu insultes ton cousin. Tu insultes ta tante. Pourquoi? Parce que tu as de l'argent. Oui, c'est vrai. Tu as tout. Si ce que tu reçois, c'est par la grâce de Dieu, c'est une bénédiction pure et propre, bien-aimée, réjouis-toi. Si ce que tu reçois, c'est sans peine, c'est-à-dire l'effort que tu as fourni d'abord de l'école et tout, tu ne vas pas prendre une arme pour tuer d'abord quelqu'un. Tu ne prends pas une machette pour aller tuer quelqu'un. Ou tu n'utilises pas de fétiches pour aller tuer quelqu'un, des poisons diaboliques pour tuer quelqu'un. Et tu peux aller t'asseoir. C'est avec toute une joie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Évidemment, il a fallu que quelqu'un puisse mourir. Et pourquoi Goliath est mort? Et pourquoi il y a eu un Goliath chez les Philistins? Quand vous voyez les Philistins et les Israéliens, ce n'étaient que les enfants d'un même père. Même père. Parce que le sang qu'ils ont eu sur leur corps, c'est le sang de leur père. Et ce sang-là ne pouvait pas le diviser. Vous allez me dire, mais Caïn et Abel, oui. Est-ce que le sang de Caïn, c'est le sang d'Adam? Vous allez me dire que oui, dans une famille, on peut naître 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou plus. Tu verras que les enfants ne vont pas se comporter de la même façon. Oui, il y en aura. Évidemment, il y en a qui existent, qui font de la politique. Il y en a qui ne font pas de la politique. Il y en a qui vont dans les églises qui prient. Mais qui ne sont pas des brigands. Qui ne sont pas des voleurs. Qui ne sont pas des menteurs. Il y en a qui pensent que rester dans le mensonge, c'est quelque chose de bien. Il y en a qui pensent que haïr l'autre, c'est une manière de montrer qu'on est supérieur. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'on veut. Bien aimé, il y en a qui ont essayé à faire cela. Dieu les a diminués. J'ai dit même diminués avec beaucoup d'aisance. Dieu les a réduits. Pas au positif, mais au néant. Or, quand tu es réduit au néant, c'est-à-dire que tu n'existes plus. Et Dieu n'est pas pour ça. Il n'aime pas ce genre de choses. David et Goliath se sont battus, c'est parce que Goliath, d'après les Écritures, s'est mis à avancer des injures contre, je ne dis pas Israël, je dis contre David. Si Goliath n'avait pas insulté David,
David ne devrait pas se fâcher. Il ne devrait pas se fâcher. Pourquoi? Parce que si tu n'insultes personne, tu n'insultes pas quelqu'un, est-ce que cette personne-là peut se fâcher contre toi? Elle ne peut pas se fâcher. Il faut que tu l'insultes d'abord pour qu'elle se fâche. La pression de la colère produit quoi? Des querelles. Et la pression du nez, quand tu presses le nez là, pour chercher à sortir la morve, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y en a pas, ça ne coule pas. Qu'est-ce qui viendra après? Tu vas te détruire. Qu'est-ce qu'on appelle? Les nerfs. Et le sang va couler de tes narines. Tu peux prendre un mouchoir, il y en a qui le font. Il fait juste comme ça. Et puis c'est fini. Et si ça ne coule pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Il y a quelque chose qui t'embête, il faut qu'elle sorte. Si lorsqu'elle ne sort pas, tu n'es pas à l'aise. Et Goliath savait que pour motiver David à se fâcher, il fallait donc l'insulter. Et lorsqu'il l'insulta, David ne pouvait pas se retenir. Or, quand tu pousses quelqu'un à se fâcher, bien-aimé, tu le demandes à ce qu'il s'oppose à toi. Il ne va plus t'aimer. Et c'est ce qui s'était passé. Goliath a présenté un langage. Il n'allait pas, comme étant encore philistin, mais il allait comme lui-même. Je vais lire quand même cette partie. C'est au verset 31. Et on va descendre. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui se fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis. J'ai pas envie de lire ça. Un peu plus loin. Au verset 41, il dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Bien-aimé, que quelqu'un te dise ce genre de choses, est-ce que tu seras en paix? Est-ce que tu vas aimer? Et surtout que ce genre de choses, on te les dit
au milieu d'un public. Donc tout le monde te voit, tout le monde te regarde, et tout le monde attend. On insulte, c'est bien ici. Goliath n'insulte plus Israël. Il insulte une personne. Il ne dit pas que je prendrai Israël. Mais il dit tout. Il lui dit d'abord, est-ce que moi, Goliath lui dit, est-ce que c'est un chien? Lui, c'est un chien. Pour venir avec les bâtons. Pourquoi il le dit? C'est tellement que David, il savait que David élevait les animaux là-bas. Excusez-moi. Il dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec les bâtons? Et la chose la plus difficile, c'est qu'il sort des paroles les plus difficiles. Il dit, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il dit, viens, avance. Il dit, avance. Bien-aimé. On ne dit pas à quelqu'un, avance n'importe comment. Parce que y a quelqu'un que tu ne connais pas. Tu lui dis, avance. Bien-aimé, ne regarde pas quelqu'un parce qu'il est petit. Il va te frapper. Et il va te frapper. Cette manière aussi de dire à Goliath, c'est-à-dire lui présenter un petit enfant, c'est aussi une forme d'insulte. L'insulte n'était plus verbale. Une insulte physique, c'est-à-dire le physique de David. Pour Goliath, c'était une très grave erreur du peuple d'Israël. Mais pourquoi Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a suscité cela? On peut dire oui. Dieu voulait se débarrasser de qui? De Saül. David n'a pas été loin encore si Saül n'avait pas désobéi. D'après les Écritures. Et lorsque, selon les Écritures, que Saül est arrivé à désobéir, Dieu a eu un regard sur quelqu'un d'autre. Et le choix même de Saül, c'est à la demande du peuple d'Israël. Et Dieu trouva que un peuple, quand il demande quelqu'un, c'est pas sûr qu'avec lui, les choses vont être telles qu'elles devraient être. Ou tel qu'il le pensait. Voilà pourquoi il a trouvé mieux de créer une histoire et que par cette histoire qu'on trouve réellement qui est le vrai moi. De par où, soit la confirmation de celui qui était là, le roi Saül, ou encore de celui qu'on venait d'oindre. Et s'il y avait à lire un peu plus loin, c'est que David était en train de battre. Le prophète est allé jusque là-bas. Il a appelé le père de David. Il a dit, fais-moi venir tes enfants. Le père oublie même un de
ses enfants, parmi ses enfants. Et celui-là, c'est qui? C'est David. Et lorsque David arrive, qu'est-ce qu'il fait? L'Esprit de Dieu s'adresse même au prophète en lui disant que c'est de lui. Et le prophète, avant même que David arrive, le prophète a dit, je ne veux pas me déplacer avant que cet enfant n'ait mis pied ici. Ne te regarde pas dans ta position. Ne te regarde pas dans ta souffrance. Ne te regarde pas dans tes difficultés. Il arrivera un moment auquel Dieu voudra que cette chose-là puisse t'appartenir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Dieu a le pouvoir de faire et de ne pas faire. Dieu a le pouvoir de bâtir et de détruire. Et Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Mais lorsque tu es humble, Dieu te fait grâce. Et c'est par sa grâce, même par ton effort. Des insultes, des injures. L'orgueil. C'est-à-dire, moi, c'est moi. Moi, j'ai ceci. Je te montre ce que j'ai. Moi, je suis ceci. Regarde ce que je fais. Je suis ça, je suis ceci et je suis cela. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu te bats dans le vent. Tu ne sais pas qui est-ce que tu combats. Si c'était combattre, personne ne te regarde ou personne n'a besoin de voir ces choses-là. Si tu as l'habitude, mais le problème c'est que celui, il faut d'abord voir David. David était comment? Est-ce que David était comme avant qu'il ne devienne roi? Regarde, il était même négligé. Donc il ne savait même pas certainement comment mettre une chaussure au pied. Même un pantalon. Mais on va le chercher où? Là où il y avait des odeurs et tout. Et qui le fait? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Qui le fait? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et pourquoi le fait-il? C'est son choix. Lorsque Dieu choisit, même si on a dit, c'est fini, là ça va être comme ça, bien-aimé, Dieu le place. Et lorsqu'il est pris, son père lui dit, va voir tes frères là-bas. Ou un, mais il continue à aller là-bas. Va voir tes frères, apporte-leur quelque chose à manger. Vous êtes sûr qu'il manquait à manger là-bas? Ils avaient tout. Mais Dieu crée quelque chose. Et le père dit à son fils, vas-y. Tu ne sais pas, au moment où on te dit, va. Ne désobéis pas. Quand on te dit va, vas-y. Tu ne sais pas ce qui va se créer. Ce n'est même pas, tu ne fourniras aucun effort. Tu n'as pas à fournir un effort pour que qu'on te voie que ceci, cela, que ça se passe comme ça, comme ça. Non. Lorsque tu arrives à ce stade-là, bien-aimé, ce n'est plus toi-même, c'est l'Esprit qui fera tout. Or l'Esprit, tu ne le vois pas. Il faut que tu aies des yeux de l'Esprit pour que tu voies l'Esprit. Si tu vis avec de l'orgueil, confronté, celui qui a l'Esprit, tu vas tomber. Si tu vis avec de l'orgueil,
Tu dis, moi, c'est moi. Tu peux prendre toutes les positions. Tu peux faire tout comme tu le veux. Bien-aimé, Dieu te laisse parfois le temps de faire ce que tu as fait. Tu oublies parfois une seule chose. Que tu étais à la ferme. Tu étais à la ferme. Ton père te voyait. Ta mère te voyait à la ferme. Je dis bien, ton père te voyait à la ferme. Ta mère te voyait à la ferme. Tes frères te voyaient à la ferme. Dieu aussi te voyait. Et Dieu s'est dit, puisque celui-ci peut être à mesure ou sait déjà comment gérer le bétail, il ne peut gérer ce peuple-là. Il faut commencer par ce qui est difficile. Si tu sais comment gérer ce qui est difficile, ce qui apparaîtra devant toi n'a plus raison de te résister. Pourquoi? Parce que tu connais ces choses-là, comment elles se font. Tu es doux dans ta parole, tu es doux dans le langage, tu sais parler. C'est là où on dit on a le pouvoir. On a le pouvoir. Il ne manque que le temps. Mais le moment, quand ça arrivera, les gens verront de leur propres yeux. Après, on va dire comment est-ce qu'ils ont fait. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Dieu parle à ses enfants. Et ce pouvoir-là ne peut pas faillir. Nous ne prions pas ici. Nous ne prêchons pas. Nous n'enseignons pas. Il y a des choses qu'on peut te dire aujourd'hui. Dans le tas, sœur, fais attention. Il y a ceci, il y a cela. Quand tu lis, lis bien. Si tu n'as pas compris, demande à quelqu'un de lire ça pour toi. On va t'expliquer. Et comme ça, tu pourras faire ce que tu veux faire avec. Frère, attention, ce que tu es en train de mettre là, ou ceci, cela, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Nous, à LL6MTV.com, la porte elle est ouverte. On donne le feu vert à qui que ce soit d'apporter sa modeste, j'appelle ça modeste contribution. Quand tu trouves que notre langage ne satisfait pas ta compréhension, reviens vers nous et pose-nous cette question. Nous allons répondre. N'aie pas honte, n'aie pas peur de te dire que lorsque moi je vais appeler ou envoyer un message, poser une question ou essayer un peu de dire une parole par rapport à tel message, c'est fini, le frère ou les frères ou les sœurs vont se révolter contre moi. Mais lorsque tu passes par des critiques indirectes ou directes, bien aimé, nous lisons, nous voyons. Et on découvre à travers ces choses, on est passé par là. On les voit et on les comprend. Mais lorsque tu arrives de cette façon, bien-aimé, tu ne mérites pas de rester avec nous. Tu ne mérites pas de rester avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? On te remercie. C'est plus simple de le faire de cette façon que de te blesser et rester là. Tu risques de nuire à tout le monde. Ce que nous disons, ce ne sont pas des choses qu'on ramasse à gauche et à droite, ou bien des livres que nous avons écrits nous-mêmes. C'est vrai que nous sommes des livres aussi par rapport à notre vécu. Mais la primauté à tout, c'est la parole de Dieu. Tu imagines, moi par exemple, moi je suis né dans un village. Je suis né dans un village. Mes parents n'étaient pas pauvres. Non plus mes grands-parents, pas des pauvres.
Ceux qui me connaissent. Il n'y a qu'à aller voir un peu cela. Maintenant, s'il faut prendre depuis la source, est-ce que les gens peuvent rester dans notre message? C'est tout. Je ne réponds pas à une personne. C'est juste un exemple que je donne. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour qui un exemple de ce genre peut être donné, c'est de cette manière que je parlais. C'est tout. Et je pense que vous aussi, vous êtes nés dans des familles, ma pauvre. Si ton père ou ta mère peut déjà payer ton assurance, payer tes cahiers, payer tes voyages, te faire manger, te faire boire, dormir dans des conditions décentes, bien-aimé, et ensuite tu as la prière, tu n'es pas pauvre. Tu es riche. Et c'est comme ça. Je n'ai pas envie de revenir sur ce qu'on s'était déjà dit. Si je m'étais à le dire encore ici, c'est comme si je ne parlais à personne. David choisit, subit des épreuves. Quel genre d'épreuve? C'est d'aller s'affronter à qui? À Goliath. Et autre chose, c'est que Dieu voulait déjà se débarrasser de qui? De Saoul. Et Saoul trouva ce que nous avons dit tout à l'heure, que un petit qui vient déjà de battre un Philistin gaillard qu'il est, c'est possible qu'on l'enlève de là. Et il sait ce qu'il avait fait lui. Il y a des choses. Lorsque tu as un père, lorsque tu as une mère, si ces personnes-là ne t'ont rien fait de mauvais, respecte-les. Honore-les. Tu as un père, tu as une mère, c'est qu'il y a des gens derrière ce père-là et cette mère-là. Respecte-les. Et honore-les. Mais lorsque tu les rejettes, tu ne les veux pas. Tu ne les aimes pas. Bien-aimé, c'est un ami qui peut te donner la vie. C'est vrai, un ami peut te donner la vie. Mais ton père et ta mère seraient mieux placés à te donner cela. Ton père et ta mère seraient une meilleure garantie à te donner cela. Sauf si, la Bible dit ceci, si ton père et ta mère t'abandonnent, et lui, Dieu ne peut pas t'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il sait, pour une raison ou une autre, ton père peut se retourner contre toi. Ou ta mère peut se retourner contre toi. Et pourquoi le ferait-il? Pourquoi se retournerait-il contre toi? Qu'est-ce que tu as de particulier pour qu'il puisse venir contre toi? Tu peux être une étoile pour toute la famille. Peu importe le rang que tu peux occuper. Tu es béni, que les autres aussi soient bénis. Quand tu manges, que les autres aussi puissent manger. Lorsque tu bois, que les autres aussi puissent boire.
lorsque tu dors dans des conditions décentes, que les autres aussi puissent dormir dans des conditions décentes. Lorsque tu entends, que les autres aussi entendent. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Ne te regarde pas seulement là où tu es. Et ne sois pas égoïste, ne sois pas radin. Aime ton prochain comme toi. David allait et réussissait. Partout où l'envoyait Saül, David a travaillé avec Saül. Et David était envoyé par Saül comme étant un homme de main. Et Saül le prend, il le met où? À la tête de quoi? De son armée. Mais si tu mets déjà quelqu'un à la tête de ton armée, et dans ce pays-là, et de ce temps-là, il s'est dit c'est fini, il va me tuer. Il va me faire pas un coup d'état de ce genre-là, non. Il va me tuer. Et il n'avait pas ça en tête. David, de faire du mal à qui? À Saül. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Quand quelqu'un le fait, on te met à la tête d'une armée, tu es obéissant, bien-aimé, on ne peut que t'honorer davantage. Mais si ce que tu fais est bien, on va t'aimer. Pourquoi on va t'haïr pour quelque chose qui ne bâtit pas? On ne peut que t'haïr que quand tu fais quelque chose de bien. Alors que c'est quand tu fais ce qui est mauvais qu'on devrait t'haïr. Vous allez voir que quand quelqu'un fait quelque chose de la bonne manière, il faut qu'on crée une histoire contre cette personne. On crée une histoire contre la personne juste pour vouloir à ce qu'on ne dise plus rien sur cette personne. C'est-à-dire que cette personne n'ait pas d'éloge. Qu'il n'y ait pas de promotion sur cette personne. Et ce genre de personnes qui sont négligées, qui sont rejetées, qui sont oubliées, c'est Dieu qui s'en charge. Dieu va les chercher. Dieu va les chercher et les amène. Voilà pourquoi il vient les faire asseoir là où tout le monde ne s'y attendait pas. Et on va commencer par dire, oh mais comment est-ce qu'il a fait pour être là? Comment est-ce qu'il a fait pour arriver là? Oh tu sais, ses parents c'est des grands sorciers. C'est des grands féticheurs. Oh c'est vrai ça, oui, oh tu les connais. Ah, les nombreux sont morts dans leur famille. On a fait ça pour qu'il devienne ce qu'il est. Oh là là. Quand tu es un chef d'armée, tu feras de telle sorte que tout le monde puisse t'aimer. Mais si tu fais le choix des personnes, tu ne facilites pas cet amour. Même entre tes hommes, il y en a qui ne vont pas t'aimer. Et David a saisi cette opportunité et pourtant déjà consacré. Ou plutôt, il ne restait qu'à faire comme maman fait souvent là. Il ne restait que ça. Et dit, allez, mettez-le là. Mais il avait déjà ça. Il avait ça, mais parce qu'il savait que il n'y a pas raison de se précipiter sur telle ou telle chose. Il faut attendre le temps de Dieu. C'est tout. On peut fermer à gauche et à droite.
ceux qui attendaient Jésus-Christ naître, il y en a qui ont dit que moi, mes yeux t'ont vu de ce que mes oreilles ont entendu. Maintenant, il peut partir. Il dit, puisque mes oreilles ont entendu, ce que mes oreilles ont entendu, mes yeux ont fini par voir cela. Oh, maintenant là, je peux. Maintenant là, il peut mourir. Bien-aimé, il y en a combien qui l'ont répété ici dans la Bible? Une seule personne. Une seule. Même pas deux. Une seule personne. J'ai ouï entendre. Mais je t'ai vu de mes yeux. Je peux me la partir. Il peut me la partir. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Une fois. À un degré impossible. Une fois. Très très bien fait. Si on pouvait faire une fois. Et David s'est dit, ce n'est pas parce que le prophète est arrivé à Londres et sur le champ, il devrait occuper la place. Non. Mais il y a déjà un roi là. Lui, il attendait. Il attendait à lui succéder cet homme. On parle de la Bible, on ne parle pas d'autre chose. Il faut parler de la Bible avec le zèle. Avec le droit. Et comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait tué le Philistin, les femmes sortaient de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saoul en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les cris de joie poussés étaient pour tous, eux tous, pour avoir remporté une victoire contre les Philistins. Et les femmes qui chantaient, c'est au verset 7 du chapitre 18, qui chantaient, se répondaient les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul a frappé des 1000, des milliers, mais David a fait plus que ça. David n'était pas roi. Il était au service du roi. Lorsqu'il le frappe, on dit des dizaines, des milliers. Et lorsque le roi frappe, on dit c'est des milliers. Et ce qui suscita une colère grave au roi. Le roi trouva que cet enfant-là est tel qu'il est plébiscité. En tout cas, on va m'oublier et c'est lui qu'on va aimer. Et pourtant, il oublie que c'est lui qui l'a envoyé en guerre. Quand un chef t'envoie, tu travailles au nom de qui? Ce n'est pas au nom de ce chef. Hein? Mais le décompte qu'on fait et le compte rendu, le rapport qui est rédigé, est-ce qu'il reste auprès de David ou il va chez le roi? Mais il ne voyait pas ça. Il trouva que en lui, c'est un enfant docile, assidu, juste, pur et propre dans sa pensée. Blanc en tout et pour tout, il n'y avait que raison de créer quelque chose sur lui. Mais lorsque le peuple chante déjà pour toi le bien,
Il n'y a pas. Il ne faut pas regarder les peuples qui confondent là. Il y a des peuples aussi qui confondent. Ils peuvent acclamer Satan. Ils se mettent à acclamer Satan. Parce qu'il est là pour les aider à tuer. Il y en a qui sont comme ça. Mais à aucun instant, à aucun moment, que David s'est dit que malgré tout ce que le roi pouvait faire contre lui, qu'il devrait chercher à tuer le roi. Il dit non, on ne tue pas loin de Dieu. David a été roi. Et de la même manière que Saoul a été roi. Donc les deux travaillent avec le même esprit de leur père. Et Dieu ne pouvait pas permettre que Saoul soit tué par David. Et il avait cela en lui, dans sa pensée. Et l'histoire ne nous cache rien qu'il y a eu des fois où Saoul là est allé le chercher de partout. Et Saoul l'a même cherché, puisqu'il a eu comme genre la fille à. Il a épousé la fille à Saoul. Et Saoul dit à sa fille que moi, ce gars-là, il faut qu'on le tue. Saoul dit, il faut qu'on le tue à sa fille. Mais tu peux être un roi. Ce que tu fais est mauvais. Mais dans ta maison, il y a au moins un, deux ou trois de tes enfants qui ne vont pas aimer tes pratiques. Parce que ton esprit ne collabore pas, ne tient pas debout. Ces enfants-là savent que lorsqu'ils sortent de chez toi, ils rencontrent des amis. Et avec ces amis-là, ils se disent des choses, ils apprennent. Mais quand ils viennent à la maison, ils trouvent qu'il y a du sang dans la maison, une chambre dans laquelle les gens vont boire du sang. Mais quand ils vont chez les autres, ces chambres-là n'existent pas, dans lesquelles les gens vont se laver avec le sang. Et l'enfant peut se dire, mais pourquoi ça ici? Ne tue pas l'enfant. Parce qu'il t'aura donné un bon conseil. Et c'est comme ça que ça se fait. Ton fils peut te dire que papa, ce que tu es en train de faire est très mauvais. Ne le fais pas. J'ai suivi un film il n'y a pas longtemps à la télé qui parlait des dragons, des petits dragons. Et il avait un jeune enfant avec son père. Son père était le roi. Et cet enfant-là savait comment dresser les dragons, c'est-à-dire leur apprendre à voler. Mais quand il a compris que son père n'aimait pas les dragons, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les dragons. Le dragon va les dresser quelque part. Après, il quitte. Je parle des dragons, des jeux là, qu'on suit un peu dans les films. Pas le vrai là. Puisqu'ils avaient une loi dans ce pays qui n'aime pas voir les dragons. Un dragon, il faut le tuer. Un dragon, c'est un ennemi, il faut le tuer. Pourquoi? Parce que le dragon se comportait mal. Et ils se disent que quand le dragon apparaît, c'est un malheur. Il fallait donc tuer quoi? Le dragon. Chaque dragon. Mais l'enfant s'est dit non. Par un dragon, je peux les dompter et les avoir avec nous. Ils vont nous servir d'amis.
L'enfant s'était pas trompé. Et les dragons, il les a dressés. Et le père organisait même un combat pour qu'on puisse, que cet enfant-là devienne un viking. Mais l'enfant arrive devant l'animal. Quand il fait ça, il le touche la tête de l'animal. Un animal qui, quand tu sors comme ça, il est sur toi, il t'envoie le feu. Mais l'animal sort comme ça, il pose seulement dans sa main. Sur, comment on appelle ça, le dragon. Et le dragon se calme. Mais ici, celui que tu envoies, que tu as vu combattre pour toi, Goliath, qu'est-ce que tu fais? Ton seul problème, c'est maintenant te soucier de ton poste, du fauteuil que tu t'occupes, tu te dis, moi ces histoires-là, je n'ai plus besoin. Ce que je veux, ce type-là, ou ce jeune homme-là, ou cette fille-là, reste d'occuper ma place. Ou de prendre le pouvoir. Bien-aimé, Dieu t'a formé, oui, Dieu nous a formés tous. Dieu a formé les autres aussi. Il n'y a pas raison, en tant qu'un frère ou une sœur, à se retourner contre ton propre fils, ou ton propre frère, ou ta propre sœur, à cause du pouvoir. Et ce pouvoir, qui pour un temps tu l'auras, mais un autre temps tu ne vas pas l'avoir. Tu vas le laisser. Tu vas mourir comme tout le monde. Ce n'est pas mauvais d'avoir le pouvoir, oui. Ce que tu mérites, tu le mérites. Tu es intelligent, oui. Tu as ceci, tu as le charisme de diriger, oui, tu l'as. Tu es formé spirituellement, oui, il y en a qui sont spirituellement formés, il y en a qui sont dans la sorcellerie formés, oui. Mais ceux qui sont formés à faire couler le sang, les signes ne trompent pas. Vous allez voir que peut-être dans cette nation-là, les gens vont toujours mourir. Vous allez pour rien, les gens meurent comme si c'était une maladie qu'on appelle la vache folle. Pourquoi les gens doivent mourir? Pourquoi? Parce que ce pouvoir-là demandera toujours à ce que le sang puisse couler. Si celui qui est le Dieu pour ce pouvoir-là ne demande que le sang, il voudra ce que le sang puisse couler. Si ce Dieu-là demande de l'argent, ce Dieu-là fera quoi? Il voudra toujours à ce qu'on lui donne de l'argent. Il y en a qui prennent de l'argent, parfois les jeter à la mer. Oh non, on est en train d'offrir à qui? Aux sirènes, à notre Dieu. Allez mettre ça à l'église. Allez mettre ça à l'église. Il ne faut pas aller jeter l'argent à la mer. Il y a toujours quelque chose qu'on sacrifie. Et quelle est cette chose-là? Cette chose-là ne peut pas. On ne peut pas dire, bon, écoutez, prenons l'herbe là, sale. On va travailler l'herbe. On amène quelque part l'herbe là séchée et on brûle. C'est ce qu'on va ouvrir à Dieu. Tu ne verras pas ça. Dis non, ça c'est pas. Oui, c'est vrai que Dieu n'aime pas qu'on puisse l'offrir ce qui n'est pas beau. Mais ne choisis pas ta fille ou ton fils pour dire que moi il faut que je mette du temps au pouvoir. Allez, tu ton propre fils et ta propre fille. Ton propre fils, ta propre fille. Oh, parce que le Dieu que tu pries là, ton Dieu, il aime le sang. Il n'aime pas le sang d'autres personnes que tu ne connais pas. Il aime seulement le sang des gens qui sont membres dans ta famille. C'est-à-dire, bon, cette fois-ci, c'est le petit frère que tu vas donner. Tu commences à regarder le plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia! Et tu commences à regarder le plus petit au plus grand. Et tu dis, bon, faites-moi un peu la liste de tous les membres de la famille.
Oh, tu commences par inscrire tout le monde sur la liste noire. Après, tu as ton calendrier spécial. Tu dis à telle date, c'est lui qui parle. Maintenant, s'il te résiste, là-bas, c'est chaud. Ton chef commence à te dire, bah, écoute, si tu ne donnes pas, tu n'as pas de poste. Si tu ne donnes pas, tu ne donnes pas de poste. Tu n'as jamais tué. Tu n'as jamais tué. Tu vas apprendre à tuer. Le roi Saoul n'a pas su s'y mettre. S'il savait que Dieu a prononcé des paroles par son prophète sur lui, que Dieu te rejette à cause de ce que tu as fait de mauvais, ce qu'il devait faire, c'est savoir comment s'humilier. Et l'humilité précède quoi? L'élévation. S'il s'humiliait, Dieu pouvait préserver son pouvoir, plus simplement et plus gentiment. Je veux vous dire une chose ce soir. C'est une sœur cette fois-ci qui était dans un pays d'Afrique. Cette sœur l'a priée beaucoup. Elle s'est retrouvée en Australie. Elle a continué à prier. Elle aimait Dieu. Et une fois, Dieu l'amène en esprit comme ça. Et Dieu lui montre, il dit, regarde ça. Il dit, prie, continue à prier seulement, c'est tout. Elle s'est mise à prier. Après, il y a eu des attaques. Des attaques contre cette sœur. Elle ne savait plus quoi faire. Cette sœur-là est allée dans une église prier. Elle découvre que là où, dans cette église, à ceux qui priaient, priaient bien. Et ça remontait l'esprit de cette personne, de cette sœur. Et lorsqu'elle rentrait, elle était toute contente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les choses, à un certain moment, ne marchaient pas. Mais à travers l'église, elle a fait des demandes de prière selon le rythme de prière de ses frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Dans la demande de prière, dit Dieu, tu dis dans ta parole que invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas. Est-ce que Dieu regarde là où je suis? Ici aussi, je peux mal prier. Montre-moi ce qui est caché. J'ai bien envie de voir cela. J'ai bien envie de voir cela. Bien-aimé, cette sœur-là s'entendait bien avec son pasteur. Après, elle rentre sa Bible, lecture, après elle va au lit. Et lorsqu'elle dort, dans sa chambre, elle ne savait pas qu'il y avait une personne dans la famille, sa famille, qui quittait l'Afrique pour l'Australie et avait donc les portes de la maison, et cette personne, cet esprit-là allait jusque dans la chambre de cette sœur. Et lorsque cette personne entre dans la chambre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met devant, c'est-à-dire au chevet du lit de la sœur, et fait des incantations sur la sœur, dépose toutes sortes de mauvaises choses sur la sœur. Et cet esprit-là, le jour ou à une heure donnée, pouvait facilement repartir. Pourquoi? Parce que cet esprit a pu accomplir son acte contre cette sœur. Qu'est-ce que cet esprit voulait? C'est de ne pas voir cette sœur-là réussir. C'était compliqué, c'était devenu compliqué
Lorsque cette sœur-là m'a raconté cela, je ne pouvais même pas y croire. Or, dans leur famille, il y avait des responsables politiques. Et sa sœur ne savait pas que dans leur famille, on cherchait toujours à tuer quelqu'un chaque année pour donner à leur chef pour qu'il reste dans la politique, c'est-à-dire au pouvoir, qu'ils aient toujours des postes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est restée dans la prière. Or, quand c'est comme ça, si c'est Dieu qui prend de l'autorité sur toutes ces choses-là, le diable n'a plus rien à faire. Quel que soit ce qu'il voudra entreprendre, Dieu t'a déjà protégé. Ce qu'il attend, que le temps arrive et que tu sortes de là une bonne fois. Bien-aimé, cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart prier et elle rentre. Et une nuit, elle dormait. Dieu, juste les yeux qui étaient fermés. Mais tout se passait où? Dans la maison, dans sa chambre. C'est comme si tu avais des paupières, c'est-à-dire fermées, mais tu vois dans ta chambre, c'est-à-dire les yeux, comme si les yeux étaient ouverts. Ça ne se passe pas ailleurs. Nous, on appelle ça le kimonamis. C'est-à-dire tu vois en live. Maintenant, comment ça se passe chez toi? Tu as lu quoi? Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te réponds, je t'annonce de grandes choses que tu ne connais pas. Elle invoqua Dieu. Elle a invoqué Dieu. Dieu lui dit, tu m'as invoqué, je vais mettre ça, je vais te montrer. La sœur va voir. Dans sa chambre. Or, qu'est-ce que cet esprit l'a fait? Ça, c'est le lit. Donc, la sœur est de ce côté. Et plutôt, elle est sur son lit. Cet esprit-là vient vers là. Ça, c'est la porte. C'est-à-dire, arrive et se tient debout. Là, c'est la tête et les pieds de la sœur. Qu'est-ce que l'esprit se place ici? Ne va pas traiter les pieds, non. Il vient au niveau de la tête. Parce que si cet esprit-là vient au niveau de la tête, cet esprit-là sait que la tête de la personne, elle est sacrée. Parce que tout, c'est dans la tête. Même si le cœur enregistre, comme je l'avais dit autrefois. Maintenant, lorsque la sœur voit, regarde, il y a la présence d'une personne, debout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge. Elle se bat pour vouloir, évidemment, confronter l'esprit. Mais tu ne pouvais pas voir cet esprit-là si Dieu n'a pas ouvert les yeux tels qu'il fallait les ouvrir. Et lorsqu'elle veut bouger, quand elle bouge, l'esprit, vous voyez le vide qui existe ici, là où vous avez, il y a le chemin de votre lit. Le vide là, l'esprit là vient se cacher. Pourquoi? Parce que toi, tu peux regarder là, tu peux regarder ici, tu peux regarder par là. Ou encore, tu peux regarder le haut de ton lit. Disons bien, du lit quoi. Regardez le plafond. Et c'était comme ça. L'esprit se place là. Dès qu'elle veut se réveiller, il vient se cacher derrière elle. Bien aimé, l'esprit est là. Il n'a pas fui. La sœur prie. Plutôt dans ce sommeil, il commence à voir. Elle se réveille. Ne savait pas quoi faire. Regarde tout autour. Se rend bien compte qu'il y a quelque chose dans la chambre, mais ne pouvait rien, ne savait pas quoi faire. Elle repart à l'église, prier d'intercession, dit à son pasteur, regarde ce que je pourrais. Il dit, ce que tu as vu, c'est cet esprit-là qui vient t'embêter. Et indirectement, le pasteur lui dit qu'il y a des noms qui sont inscrits sur les listes noires. Et lorsque ton nom est inscrit sur la liste noire, bien-aimé, il faut te battre pour que ce nom-là soit gommé. En Nemo, c'était la mort. Le pasteur le savait, mais il ne pouvait pas lui dire que non. Regarde ce qu'on a pu faire sur toi. Et que la mort
de Guetta. Et cette sœur l'a prié. Le pasteur lui dit, demande à ce que Dieu te montre. Tu dis, Dieu, je veux voir. Ce n'est pas me limiter des pieds jusque-là. Puisqu'on ne voulait pas lui montrer le visage. Ça s'arrête jusque-là. Tu ne peux pas voir le visage. Parce que Dieu dit, si je te montre le visage, toi, humainement, tu voudras t'opposer à cette personne. Et si tu vas en tant qu'un homme, pas formé spirituellement, tu vas t'opposer à un esprit pareil, c'est toi qui vas mourir. On ne les affronte pas comme ça. Et cette sœur-là dit, non, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle prie, demande à Dieu de lui montrer. Elle repart dans sa maison. Prier, dormir, le même esprit arrive encore. Se tenir. Elle dit cette fois-ci, tu sais ce qu'il y a à faire. Ah, oh, bien aimé. Que c'est beau. Parfois, on a envie de vous dire ces choses-là. Vous nous embêtez encore. Comment est-ce qu'on peut vous les dire? Comment saurez-vous vous défendre si vous n'avez pas à écouter ceux qui se sont mis à peindre le mur de la gentillesse? Ils vont se placer. Où? Et la sœur se met en sa posture. Prie. Alors, le même esprit arrive encore. La sœur était sur lui. Dieu arrive encore. Lui ouvre les yeux. Les yeux fermés, il ouvre les yeux spirituels même. Il dit, regarde ce qui se passe. Okay. Et ce jour-là, Dieu ne cache rien. Dieu prend de la plante des pieds jusqu'à la tête. Jusqu'aux cheveux de la tête. Une photo de la personne en question. Oh! La sœur s'est battue, s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Oh. Elle commence, l'esprit l'a motivée. Il dit, quand tu as ce genre de choses, dès que tu te réveilles, tu pries, tu fermes la porte fermée. Tout autour de toi, dans ta chambre, la personne ne va pas sortir. L'esprit en question est là. Il ne peut pas fuir. Pourquoi? Parce que tu le maîtrises maintenant. Comme la sœur en question priait, balance le regard dans toute la chambre. Regarde que l'esprit était encore là. Regarde que l'esprit était là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Diriger maintenant des prières contre cet esprit. Je te lis. Je te lis au nom puissant de Jésus. Je te détruis. Je t'écrase. Je te limite. Tu n'iras nulle part. Qu'est-ce que tu as voulu faire contre moi? Qu'est-ce que tu as voulu me faire? Tu n'iras nulle part. Je te lis. Tout ce que tu as voulu faire contre moi ou sur moi, je renvoie cela vers toi-même. Tout le malheur contre toi-même. Bien-aimé, là, il n'y a plus de pardon, non. Tu te battes contre l'esprit. Maintenant, toi, ce que tu dois sortir, c'est du feu. La sœur connaît quelqu'un, un petit dribble là, qu'on lui avait donné. Comment dribbler? Le 36e phase. La sœur sort et dit, quand c'est comme ça que tu as parlé, tu as prononcé, cet esprit ne peut pas fuir. Bloqué. La sœur sort, va dans la cuisine. Chercher de l'eau et du sel, mets dans un récipient comme ça là, genre une assiette, remonte dans la même direction, regarde, et cet esprit là était là, prends cette eau là, prie, allez. Il dit, c'est fini pour toi, tu vas mourir, je te déclare totalement mort, je te déclare mort par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé. L'esprit en question ne pouvait plus. Et après un moment, disparu comme ça. Même pas. La sœur a voulu appeler au pays
Dieu lui dit ne le fais pas. Comment elle s'est dit que certainement que ça se passait dans la famille à travers telle ou telle personne? Là, il prie, et ainsi de suite, elle gagnait ce qu'il avait appris. Bien-aimé, ceux qui étaient dans la politique, un jour, elle prie encore, Dieu lui donne cette révélation, et la main. Il va lui mettre placé à un endroit et lui dit que tes parents, tous ceux qui étaient contre toi, regarde ce qu'il faisait, regarde ce qu'il faisait. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Quand elle me disait des choses d'autrui, on ne les dit pas n'importe comment. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Il dit, regarde comment ça se passe. Et Dieu lui a donné de l'intelligence. Et dans ce genre de choses, Dieu ne voulait pas qu'elle fasse les choses par sa propre volonté, par son propre vouloir. Ce qu'il fallait faire, c'est de savoir comment combattre. On prend un break et nous allons revenir tout à l'heure. On va continuer après.